Hello tout le monde, c'est Lélé26, on se retrouve pour le 14e épisode de The Grey Garden où on rentrait chez nous. Pas du tout sûr que ce soit là. Pourquoi ils sont tellement nombreux, ces chauves-souris? Quelque chose a dû se passer, je pense. Ils arrivent. Ok, d'accord, je suis trop forte. C'est bon, on peut partir. Allez, ici, nous pouvons retourner au castle. Allez! Au fait, regardez, j'ai acheté un stick pour mettre le téléphone, mais du coup c'est cool. Et moustache, où c'est? Alors, celle qui était blanche, oui. Celle qui était blanche dans la forêt. Donc, la noire devrait être dans le château. Ouais. Mais pour une raison, c'est ici. Pourquoi? Qu'est-ce que j'en sais? Juste, qu'est-ce qui s'est passé quand nous sommes partis? Où sommes-nous? Nulle part. Je n'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Marcher au château? Nous ne savons pas le chemin. Hein.
Ouais, nous devrions. Ce serait peut-être plus simple si nous allons au ciel pour essayer de voir où nous sommes. Voler? Je ne sais rien à propos de ça. Je ne suis pas opposé. Que veux-tu dire, Amberi? Le ciel, le ciel. Ciel. Il est tout rouge. Il y en a tellement. Oui. Un gros dîner pour Robert et... Ça va être très difficile de voler. Délicieux. D'où vient ce sang? À qui est ce sang? En fait, moi je propose qu'on y aille, tu vois. Graveyard. Ah, mais c'est les tombes. Le bras de quelqu'un? Mais non, c'était pas le bras de quelqu'un. C'est quoi ça? Mrs. Grora. Grora. Ah, d'accord, putain. Moi, je pensais que c'était genre là. Non, on voit pas quand je mets. Enfin, bref. J'ai flippé. Tu as combattu. Est-ce que ça va? Bien sûr, ça va très bien. Bleh. Qui es-tu, je crois? Ah oui, nous sommes encore avec nos déguisements. Ah, j'avais oublié. Enlevons-les. Ah, c'est vous. Qu'est-ce que c'était que cet habillement, les circonstances ont fait qu'on devait mettre ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde, Mrs. Grora? Ah, longue histoire. Que je vais essayer de faire court. Je me suis fait attaquer. Ouais, on voit ça. Mais par qui? Tu sais, les chauves-souris enflammées. Une sont nos alliés. Nous venons dans un monde où il y a plein de chauves-souris flammées. Eh bien, Arbus et Ather ont soudainement apparu. Ather, elle. Ah ouais, ils ont fait carrément le truc. Gros. Hein. Je vais bien, juste fatiguée. Tu ne dois pas parler. S'il te plaît, repose-toi. Mais sûr que non. À propos de. Qu'est-ce qu'il y a à propos de Ather? Ces filles sont apparues et nous ont fait retourner ici quoi. On ne sait pas ce qui s'est passé pour eux. Je vois ces idiotes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah oui, j'ai oublié de demander qui sont-elles. Ça doit être les animaux, enfin les trucs de clave quoi. Ouais, j'en ai déjà entendu, mais je les avais jamais vus avant.
Rien, mais idiot. Enfin, en gros, elle dit qu'ils sont idiotes. À terre. C'est celle qui m'a pris mon œil. Un gros rat ne meurt pas. Je vais bien. Alors j'ai pris la warp slade et j'ai couru. C'est pour ça que tu es là. Attends une seconde, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce qui s'est passé au château? Laisse-moi dire les mauvaises nouvelles. Clab était en train de combattre avec le boss. Le boss? Le démon, tu veux dire? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est leur objectif? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Je ne sais pas. Et à propos d'Ethio? Ah, je ne l'ai pas vu. Quelque chose a dû se passer. Où nous sommes, comment on peut aller, enfin y aller au château d'ici. Attendez, vous voulez retourner là-bas? Non. Laissez tomber. Juste regardez-moi. Je suis un repas mort, enfin un dîner mort, enfin voilà quoi, vous avez compris. Mais on ne va rien accomplir en restant caché ici. Tu penses vraiment qu'on peut faire quelque chose de face à Fire? Je pense qu'on peut, je pense qu'on peut. Amberi? Je suis sûre qu'avec nous quatre, on peut. N'est pas question. Avec tous ces nombres et gros rats, ne devrions-nous pas essayer? Ouais. Je ne peux pas bouger pendant un moment. Et j'ai besoin d'une main. Le ciel ne marche pas. Allons à la mer et le chemin à l'ouest. Je vais me soigner. Je serai derrière vous. Je compte sur vous. Gora, ça va. Elle est juste inconsciente. Et maintenant? Je ne sais pas à qui ils ont, enfin, sur qui ils veulent, mais je ne vais pas les laisser faire. Hein, enfin. Eh bien. Bon, allons-y là. C'était pas par ici.
Là, je me suis soignée. Pétage de câble quand tu connais pas la route. Mogeko Castle. Ah, c'est Rietta, ça, non? Ah non. Si nous, s'il le trouve, nous ne devons pas casser toutes les pierres. Papa va être en colère, ok? Est-ce que tu, nous avons fini maintenant? Attends, peut-être. Qui êtes-vous? Attendez. C'est le nouveau jouet de Poemi. Nous nous sommes échappés. Oh. Je vais le pousser. Ouais, je vais le punir. Bientôt. Enfin. Plus tard. Je vais le punir plus tard, Emalf. Ça le fait de la merde. Tu vas devoir nous combattre avant. Mais Safire, qu'est-ce que tu es en train de dire? Kill. Tuez-les. Cranberry. Désolé, mais Poemi du business. Pas le temps de m'occuper de vous. Quoi? Comment viens à poche. Prends soin de ces gens. Bye bye. Attends. Ici il est. Ici il vient quoi. Thank you.
Ouais, je suis désolée de pas avoir parlé, mais j'étais en mode. J'étais très concentrée en fait. Cliff. Il semble que nous devons voler pour arriver de l'autre côté. Je sais, je sais. Un autre tremblement de terre. Qu'est-ce qui cause ça? Non. Qu'est-ce que si enfin. Ce n'est pas amusant quand tu vas juste courir. J'ai peur, j'ai vraiment peur, je n'aime pas ça. Vas-y, faut juste voler entre ces trucs. Non, non! Silence! Nous allons être repérés. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on devrait faire s'il nous trouve? Embrasse la mort. Quoi, Youssef? Ah, cette fille qui était juste en train de courir après. Qu'est-ce qu'elle fait? Qui sait? Essayons de d'avoir son attention maintenant. Ça devient glauque, tu sais. Mais c'est le labyrinthe, ce truc. Je ne sais pas qui. Ils sont, mais c'était effrayant. C'était deux chats bizarres aussi. Ah, une bonne chose, Rieta vient. T'es en train de venir. Tu l'as dit. Ne t'inquiète pas, Poemi. Ouais. Je compte sur toi. Catch. Attendez, catch. Ah! Ne t'en fais pas, Poemi va les capturer bientôt. Je compte sur toi. Oh, mais ces quatre. Peut-être que Push les a mangés. Ah. Push ne mange pas beaucoup. Ouais, enfin.
sais pas ce que c'était. Hein. Attendez, je vais sauvegarder avant de progresser. Attendez. Hop. Oui. Ici, ici. Ok. Pas d'autres à casser? Nope. Bien sûr que non. Elle parle toute seule. Hello! Attends, toi. T'as trouvé. Vous avez battu Poche? Ouais. Ah, c'est mauvais. Toi. Va le dire à Emalf. C'est quoi ton objectif? Papa est venu prendre le pouvoir du démon ici. De votre démon ici. Son pouvoir? Je ne suis pas supposée le dire. Poemi ne dit jamais rien. Tellement mauvais. Je l'ai entendu fort et clair. Oh! Père va être en colère. On va pas te laisser partir. Oh, ça va être comme ça. Poemi va juste vous tuer tous. Elle arrive. On n'est pas trop trop bien. Ça va être chaud, hein. Magique ici.
Ah ouais, quand même. Non, sur lequel elle peut pas. Putain, mais ça va être chaud! Je sais pas si vous voyez comment je galère. Mais réellement. Putain! Enfin, Yousa Fire to level 11. Papa va vraiment me tuer. Qui est ton père en fait? Lord Ivlis. Hein? Fais-moi encore ça. Fais-moi ça encore. What? Cours. Cours loin. Qui c'est? Ne pleure pas, Macarona. Nous l'avons battu. Faut sourire. Ok. Alors, elle a fait peur. Sourire normal. Allez, Froze, à ton tour. Tu dois réaliser que je ne souris jamais. Je ne sais pas comment. Oh my god. Arrête ça. Ah. Bon bah les gens, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais me retrouver au numéro 1. Hop. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, un petit peu longue, mais il le fallait. Donc on se retrouve pour le prochain épisode la prochaine fois, donc d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye!